Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le 16e épisode de la nouvelle aventure sur Temporis Ossatopia 2. Vous l'avez vu, on s'approche des derniers objectifs de l'aventure et aujourd'hui nous allons affronter et battre le deuxième maître de la ligue d'Ossatopia qui est le dresseur le plus puissant qu'on ait rencontré de l'aventure. Il est vraiment très fort avec des altérés à 15 000 points de vie. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Mais c'est lui maintenant le roi du stream, ce n'est plus moi. Un petit chachou. Enfin, je vais lui faire une petite caresse, il est si mignon. Attaque. Il m'attaque gentiment, mais il m'attaque. Est-ce que t'as battu la Ligue 2 et 3 plus Raid ou pas? J'ai battu Raid, j'ai battu la Ligue 1, j'ai battu l'ancienne Ligue, et j'ai battu la Ligue une deuxième fois jusqu'au maître. J'ai pas... Le seul que j'ai pas réussi à battre, c'est le maître. Le maître. C'est le seul que j'ai pas réussi à battre. Et c'est ce que je voulais faire avec ce stuff et tout. En gros, là, la fusion, ça devrait être s'emballer. S'emballer et l'autre qui s'appelle... Papalmier, je crois que c'est ça. Genre, t'es censé avec les deux tuer quasiment au T1 le mob. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Maintenant, c'est moi qui tabasse. Je pense qu'il faut souris tuel tabalaise. Wouah, ce que j'ai mangé! Wouah! Wouah, ce qui m'a mis! Wouah! Donc attends, je vais essayer un truc un poil différent. Si je mets lui into lui. Ah oui, mais ça marchera pas, je crois. 1, 2. Et si c'est moi qui me mets là? Vas-y, je tente un truc. Hein. Il peut venir logiquement. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, pas de crit. Nickel. Hop. 1. C'est bien les dégâts quand même, c'est assez impressionnant. Ok, on est quasiment pareil. Là, on est vraiment configuration presque parfaite. Ok, donc déjà, l'ultrapin fait pas la même chose. Ok. Je regarde en fonction de ce que je fais, ce que le mob décide de faire. Est-ce qu'il attire le reptilien? Ah oui, c'est pas terrible. Parce que là, le reptilien m'arrache, mais le malotrune ne m'arrache pas. Par contre, le faux combustion se retrouve à l'autre bout du monde. Ok, en vrai c'est peut-être pas si mal hein. Eh, c'est peut-être pas si mal les amis. C'était pas prévu comme ça, mais c'est peut-être pas si mal. Bon après, là je me fais tabasse quoi. Si je viens là, je suis juste foutu quoi. Alors attends, je vais sortir. Voilà, si je me mets là, et si je prends sa place. Donc, là, il faut absolument tuer lui ou lui. En vrai, Reptilang, il casse les couilles aussi. Hein. Vas-y, on va aller sur Reptilang. Ok, donc, il est obligé de s'avancer de 3, de toute façon, le s'emballer. Il est obligé de commencer par ça, on le sait. Donc... Ah, je suis obligé d'en faire deux, ça casse un peu les couilles. Et du coup, là, on fait deux quand même. Ah merde. Ok. Ah oui, bon, j'aurais pu faire un petit 20 dégâts de plus, mais ok. Le trapupi peut venir par contre. Ok. Donc, si le trapupi peut venir, c'est un poil différent. Ok. Il partage les dégâts, ça va, je trouve. Il s'est boosté à la fin en plus, ce débile. Mais là, il est trop loin du coup. Et le malotrune va venir poser un glyphe. Le reptilien ne pourra pas faire ses sorts comme il veut. Ok, il met un glyphe de soin. Il se barre ou pas? On va voir. Ah, il reste loin. Ok, en vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc. S'il me tue pas, j'allais dire. Meurs pas, papa le mien, pitié.
Non, il tue, putain, fais chier. Après, j'allais dire, c'est pas fini, hein, à 100%. Parce que si je mets... Ouais, sous rituel ici. On va le piqûre. Sans balai, il a un poison. Je crois pas. Hein. Je l'avance d'une au cas où, mais... Ok. Pourquoi il prend 1000? C'est le glyphe qui fait ça aussi? Je savais pas que le glyphe tapait autant. Attends, le glyphe tape autant? Oh, fait chier. La petite langue peut venir? Non, il peut pas venir. Attends, si. Oh, alors c'est bugué. Ah ouais, d'accord. Il s'est fait attirer. Ok. Ça me paraît complexe, là. J'en ai pas tué assez, quoi. Normalement, je suis censé avoir tué quasiment le reptilangue et finir... Après, je peux peut-être juste le massacrer avec un tabalaise, hein. Petit cure, hein, et puis let's go, hein. En vrai, je suis pas si mal que ça, hein. Il peut venir, mais il peut pas m'avoir. Hein. Non, là, c'est pas bon. Donc. Double claque. Full poison. Hop, et je viens me cacher ici. Pas de problème avec ça. Bon, j'ai pas de glyphe, du coup, ça, c'est plutôt bien. Il prend des dégâts plus, le poison. Dégagez vous. Je peux pas lui faire. Ah si, j'allais dire, je peux, normalement je peux le faire encore une fois. Hein. Mais bon, si, si je crit pas, c'est toujours des petits dégâts. Ok, on se met là. Donc ultrapin ne peut rien faire ce tour-là. Allez, va te cacher toi, c'est bon, il se cache. Il dragon se met du shield, il a glyphé. Toujours la réduction de dégâts. Malotrune, on va encore glypher. Ok. Je suis pas trop mal là les gars, je suis pas trop mal. Tous les deux sont piqûres. Hein. Ah merde. Ah mais si, il joue avant. C'est pas gênant du coup. Dragon peut rien faire. Ok, il lui reste 2000 HP, donc vraiment, on est bien. Hein. Ok, est-ce que je peux continuer à les taper? Et du coup, attends, mais je peux mettre vraiment les poisons, là? Sur l'ultrapin? Ok, je me mets là. En vrai, je suis bien, hein, vraiment, je peux le faire... J'ai rien à faire. Je peux dégager lui. Dégager lui. Ok. Ultrapin va se faire soin, forcément. Il se prend le petit poison au passage. Rapupi fait rien, il les attire. Il a pris 3004, hein. Sur le poison alors qu'il est sur le glyphe. Ok, bon, putain, là, ils sont vraiment bien placés pour moi. Alors, est-ce qu'il y en a un qui perd la piqûre? Ils sont tous sous piqûre, les deux, là? Ok. Bon, écoutez, je peux vraiment le booster, là. Ok. Je suis bien, ce côté, hein. Qui c'est que j'ai envie de tabasse, moi, là? Ah, je peux pas faire grand chose. Je viens ici, hein. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux cheveux. Et pourtant, je suis la princesse du royaume Sadida. Et ça, c'est beau.
Un crit à 0. Lui, il dégage. Lui, il dégage. Et je me mets là, tant pis si je me bouge. Merci, Euclidwood, merci pour le Prime, 8e mois. Après 15 ans de Dofus, je viens de mettre mon nez dans Wakfu. Ah, dans 15 ans. Bah, tu peux attendre le mono, mais ouais, c'est bien, c'est bien. Combien il a pris de poison? J'ai pas vu combien il avait pris. Ok, le dragon. Il a pris 5400. Bon, tu les dégâts. Ok, il met du boost. Ah, il arrive. Il arrive. Il vient. Il pousse de 2. Il avance de 2. Pas sûr. Hein. Il a une nid un peu chelou. Ouais, non, il le fait pas. Alors, la piqûre, faut la mettre sur lui. Et donc, on fait 1, 2, 3, 4. Et je reste là. Hein. Ben, en vrai... Si je fais là, je pourrais pas bouger, hein, ouais, ça... Ouais, c'est un peu dommage. Si je me mets là... Je sais pas si je me fais toucher... Non, s'il finit là, lui... C'est bon, si Sourito, elle finit là, c'est bon. Ok... Putain, je l'ai tué. Ah oui, ça, j'aurais pas cru, hein. Ok, bah ça se passe bien. Ok. Bon. La grosse menace, c'est Malotrune maintenant. Trapupi, si j'arrive à gérer sa distance, ça devrait bien se passer. Le problème, c'est Malotrune. Alors peut-être. Eh, ce serait incroyable. J'aurais pas utilisé la technique cheat, là. Ce serait incroyable. Si ça se faisait. J'aurais bien aimé mettre le poison sur tout le monde, mais je vais... Franchement, on va jouer safe. On va pas se prendre la tête, on va jouer safe. On va placer des poisons quand on peut. Et du coup, 1, 2, 3. On peut lui mettre 3 poisons. C'est vraiment la fête. C'est la fête. Ouf. Les dégâts. Non, lui, je vais pas l'approcher. Par contre, toi, je vais te dégager. Couche panier, toi. Et toi aussi, couche panier. Ouais, tout le monde couche panier, tout le monde. Hop là. Il est trop fort, son rituel. Il est incroyable, ce mob. Alors peut-être, le chat, alors peut-être. Oh, je serais trop content si on réussit. Parce que j'ai... Franchement, celui-là, j'ai galéré. Ok, il a pris combien de poison? J'ai pas vu, mais je sens qu'il a douillé. Attention, l'affichage du poison. 4500. ils sont tous bons au niveau du boost. Ok, ça l'attire bien en premier. Hop. Tac. On peut rester même un peu derrière si nécessaire. Ça change strictement rien. En vrai, si, faut que je le... Bah, j'aimerais bien mettre le poison sur tout le monde, là. Je peux pas avancer de 2 et reculer de 4. Après, il peut me pousser. S'il peut me pousser. Donc on peut faire ça. Ça. Et si je... 1. 2. 3. Je me mets ici. J'aurais pu en fait juste finir là aussi et il me poussait le rituel. Il pouvait genre voilà faire ça. C'est pour ça qu'il est trop fort ce mob. Ok. Couch. Couch. Mais des fessées moi. Je crois qu'il meurt avec les poisons. En vrai. Ok. Et Trapupi, comment on va s'en occuper nous? Ouh putain, il arrive. Il arrive. Ah bah, il arrive plus, le pauvre. Il meurt avec le poison ou pas? Attention. Oh la disparition, let's go! Il en reste que deux! Oh là 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 là! Allons-nous y arriver? Alors peut-être...
Par contre, j'allais dire, ça l'attire plus. Ok. J'aurais jamais la PO. Hein. Bon, ah, tranquille. On est fin. Après, j'ai peut-être fait le con, là. Il va venir là. Donc recule, toi. Toi aussi, recule. Dégage. Mob de mort, là. Je le déteste, le malotrune. Il est trop fort. Toi, couche panier. Ok, on va se mettre là. Là, si je lui mets le poison, par contre, il sera bien, là. Lui, il est piqûre. Lui, il est pas piqûre. Comme ça, je peux passer. Ouais, je le mets quand même comme ça. On peut rester là, il n'y a aucun souci. Bon, ouais, c'est tranquille pour l'instant, là on n'a pas trop de stress à avoir. On fasse gaffe à ce rituel. Ah, il faut bien le dégager à l'autre bout du monde. Dégage. Voilà. Lui, on va lui mettre un petit coup histoire qu'il bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut pas m'avoir. Je lui remets un coup. Enfin, tu prends ça. Bon, je peux encore lui en mettre un coup. Ok. Normalement, il a un petit poison, il va se régénérer pas mal, effectivement. Il a pris combien en poison? 2005. Bon, il s'est régénéré d'autant. Ok, pas de glyphe hein, qui est posé. Donc nous, on va se mettre de l'autre côté totalement. On va mettre ici la piqûre. Et donc, hop. Hop. Merde! Non! C'est pas grave, c'est pas grave. On va changer de côté, du coup. J'aurais jamais la PO là par contre du coup. J'ai 8. Je crois que je peux pas. Non, je peux pas. Eh. Je peux me faire reculer par l'autre. Je peux même pas. Ouais non, je vais pas faire le con. Ça sert à rien. Ok, donc on fait ça. Ah oui, par contre, faut pas que ça me pousse. Attends, attendez, je vais pas faire le con. Vite, vite le jeu. Tac. Donc là, on tape tranquillement. Voilà. Ouais, je voulais juste pas faire l'idiot. Il a pris encore un poison. Pff, il s'est soigné tellement. C'est indécent le soin. Indécent le soin qu'il a pris. Donc, là, si on fait pas l'idiot, on va pouvoir lui mettre le poison. Tac. Tac. Mmh. 15-8. Il peut aller mettre le poison. J'allais dire... il aurait pu même, techniquement, aller mettre entièrement, quoi. Sur les deux. Que là, s'il est deux, pff, ouais, bon. En vrai, non, on va pas faire l'idiot, ça sert à rien. Encore une fois, j'ai envie de grid alors que ça sert à rien de grid. Absolument rien. On continue de taper. On continue de taper. Voilà, on va se replacer. Et ce rituel fait le café, hein, et voilà. 1, 2, 3. Petit dégage. Quelques dégâts supplémentaires. Ah, crit, oui, ça fait... Avec les résistances critiques, ça tape 0. 900 de soins, 800. Et il prend combien, là, en... 1005 avec le sort. Ça, c'est... Il est si fort, ce sort. Il prend combien de poison, notre pote? Il lui reste 800 HP. Bon, là, autant vous dire que c'est tout droit. Ok. J'allais dire, en fait, je le tue, là.
Ben... Fin du rush. Il vient ou pas? Nice, ok. Hop. Hop. Bah vous savez quoi, on n'aura même pas eu besoin du nébuleux. Si ça c'est pas exceptionnel. Merci, merci pour vos GG les amis, on est au bout! Ah, par contre j'ai fait un peu le con. Oh, ça change rien. Il pousse. 1. 2. Là. Et là, petite fessée. Ouch. Ça me fume vraiment. Il prend son collier de perles là, et puis... Et puis il tabasse. C'est vraiment n'importe quoi. Ok. Ben, il est fort quand même, hein. Le bug. Bon, en vrai, là, je peux y aller, c'est tout droit. Mais attendez, j'ai plus la piqûre. Au bout! Au bout! Et là, petit poison des familles. Voilà, on y va. On a plus peur. On a plus peur. Zouj. Zouj. Et... C'est la fin. Nous avons vaincu le maître Erdnazil, le frère. Et ben, il nous aura donné du fil à retordre. Ah. Let's go. Est-ce que tu peux dire c'est Chao? Eh ben c'est Chao le maître de Satopia. C'est la fin pour lui. Omega 23. Oh, j'ai droppé des clés. De la reine des voleurs dessus. 40 millions d'XP. Moins d'XP que mon PNJ. Mais surtout les amis, la récompense. Champion des champions. Et ça c'est beau. Merci Paul Touch pour le Prime. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci d'avoir mis ton Prime sur la chaîne. Et donc voilà, nous sommes champions des champions. Donc ça nous donne un total de 500 ossatons, ce qui est pas dégueu, et surtout 100 tampotons, c'est ça qui est vraiment incroyable. On a vaincu tout le monde dans Satopia, on a eu ancien maître et champion des champions et raid, donc on a vraiment fait tout le monde et ça c'est magnifique. On est actuellement à 2632, on est quasiment au Shigekax Mirabel, mais surtout quasiment au Yakitoro Embrocheur, c'est surtout lui qui m'intéresse d'avoir tout simplement. Et ben, ce que je vous propose de faire, les amis, c'est de continuer le succès des altérés et de faire justement cela. Éclaboule, chroma, machin, tout ça. Parce qu'on les a pas fait. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également regarder un autre épisode en cliquant directement sur l'écran ou nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à tous.